Le but de la journée, c'était de créer un lien social après tous ces épisodes de Covid. C'était aussi faire découvrir d'autres activités, des sports qu'on a réussi à créer avec APS. Et également de donner envie de se dépasser, de surpasser dans des événements. Voilà. Bah, je trouve que ce genre de journée, vraiment, c'est des journées qui sont importantes. Importante pour les jeunes qui y participent et importante aussi pour ceux qui les encadrent. Parce que de part et d'autre, ben, y a ceux qui sont en train en formation, qui mettent en place des activités. Donc pour eux, c'est riche. Ils sont en situation concrète. Donc ils apprennent à gérer vraiment des séances. Et puis pour le public, ceux qui viennent participer aux séances, ben, ça leur permet de pratiquer une activité physique, de découvrir différentes activités physiques et surtout, j'espère, les sensibiliser à la pratique régulière. Bon, bonjour, je m'appelle Salem, je suis un Tunisien, j'ai 16 ans, je suis au lycée Christophe Colomb. Voilà. Je m'appelle Gabin, j'ai 16 ans et je suis en action MLDS au lycée Christophe Colomb. Bah, on fait des activités au niveau du sport, sur le milieu du sport et des activités qui nous permettent d'apprendre des choses sur le milieu sportif et olympique. On a fait l'escalade, handball. Nous on a fait de l'aviron et on a fait, c'est un rugby américain revisité. Des connaissances au niveau sportif et olympique et de l'amusement et des rencontres avec d'autres personnes et d'autres lycées. Jonathan Lavieux, je suis coordinateur d'un dispositif relais dans le Val-de-Marne à Champigny-sur-Marne. J'ai en charge un groupe de 8 élèves dont le but est de réintégrer leur cursus et revenir dans leur classe après 9 semaines au sein de notre dispositif. Participer à cette journée, ça va leur permettre de se confronter à un autre public, à voir d'autres élèves, d'autres personnalités. La rencontre avec les sportifs de haut niveau montre que la rigueur peut être aussi bien scolaire que sportive et les élèves arrivent à assimiler que l'effort n'est pas uniquement à l'école et quelque chose qu'on retrouve à l'école mais dans la vie quotidienne, dans le sport, et c'est cette régularité qui fait qu'on réussit. APS, Action Prévention Sport, c'est une association qui œuvre beaucoup pour l'activité physique, pour les décrocheurs scolaires, justement qui vont vers les métiers du sport. Et concrètement, ils font un super boulot et ils accompagnent les jeunes, ils participent à de nombreuses actions, et notamment sur Champigny. Et nous, c'est valorisant pour notre ville d'avoir des associations qui œuvrent en ce sens.